pharmaciens sur le 40 km et il y a beaucoup de pharmaciens qui vont être poussés les statistiques. Et bon, c'est intéressant de voir que ça a quand même répondu principalement aux habitants du territoire. Voilà. Et avant de vous passer la petite vidéo, j'aimerais juste lire un petit texte dans le livre d'or que quelqu'un nous a envoyé, parce que vous savez que le principe de cette course, c'était quand même d'être une course solidaire qui profite de l'énergie que les gens ont sans bonne santé ont pour reverser à des bonnes causes, et puis aussi qui mettent en avant l'originalité de la course, c'est-à-dire on va mettre en avant ceux qui, eux, 365 jours par an, sont au plus proche pour nous. C'est un grand plaisir de vous annoncer que tous les sponsors de cette année de l'équipe sont repartants. Donc ça, c'est merci à tous. Hein. Donc, la partie de Bourgogne-Jallieu, Toyota Bourgogne-Jallieu, le Crédit Agricole Centre-Est Bourgogne-Jallieu, Super U. Les partenaires, les communes sont repartantes aussi, on a cru de le comprendre. Alors, merci à tous. Ça nous motive et ça nous donne des vrais pour aujourd'hui, tous les mecs en deux boucles. C'est bien, mais on est très fiers quand même quand il n'y a qu'une seule boucle. Donc je trouve ça pas, vous grandissez une seule boucle, on va aller chercher des nouveaux signaleurs, etc. Mais on a déjà commencé à regarder un parcours qui pourrait rajouter une commune dans la boucle. Donc on passerait à un événement sur 6 communes et pas sur 5.